La hausse du prix de la farine divise les acteurs du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Samedi 4 février, le président du haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire affirmait qu'il n'y aurait pas de pain disponible les lundis 6 et mardi 7 février 2023. Motif annoncé, augmentation de la farine qui passe de 22 000 à 25 000 francs CFA. Lundi 6, mardi 7 février, les boulangers ne seront pas à même de donner du pain à la population, malheureusement. À défaut de nous privilégier, au moins qu'on ne nous méprise pas, parce que ce qu'on nous demande, on le demande à aucun acteur économique en Côte d'Ivoire. De fixer un prix depuis 2008, de ne pas recevoir, 2006, de ne pas recevoir de subventions et de continuer à absorber toutes les augmentations. Ce n'est pas possible. Cette décision ne fait pas l'unanimité entre les acteurs du secteur. Pour la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, en abrégé FIP-BPC, en collaboration avec la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, FECOB-BPC, le prix de la baguette doit être maintenu à 150 francs CFA, quelle que soit la situation. Ils garantissent l'ouverture de leur boulangerie. Nous, Fédération de boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de maintenir en l'état les prix de la baguette de pain pour les raisons suivantes. La première, le prix du pain étant administré par l'État, il convient au préalable de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration, c'est-à-dire le comité de suivi, pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du SMIC dans notre secteur. Les acteurs du secteur de la boulangerie font ainsi face à un dilemme occasionné par le résultat de la flambée des prix du blé suite à la guerre en Ukraine. À quoi s'attendre dans les prochains jours ? L'avenir nous le dira.